Les experts en météorologie nous indiquent que le mois de septembre 2015 a été le plus chaud jamais enregistré. Mais malgré cette chaleur anormale, Martin semble bien occupé à se préparer pour l'hiver. La chasse à l'orignal occupe une place importante dans l'histoire et les traditions canadiennes-françaises. Considéré par certains comme le roi des forêts d'Amérique du Nord, l'orignal incarne la force et l'endurance. Jusqu'au milieu du 20e siècle, pour survivre, surtout dans les régions rurales, la chasse à l'orignal s'avérait essentielle pendant les longs mois d'hiver. À un point tel que durant la crise économique des années 1930, dans certaines régions, les orignaux avaient presque disparu de la carte. Cependant, l'évolution économique et sociale mondiale a fait en sorte que la chasse à l'orignal a passablement diminué. Mais quand même, certains, comme Martin et sa famille, ont fait le choix de se nourrir presque exclusivement de viande de gibier sauvage. Sur les titres, il va falloir faire le tour. Passer le site. Passer ce petit pont. Faire le tour. Cette petite lac-là. Pour remonter ici. Ça, c'est le territoire. Wow. J'ai parlé à Stéphane, le contremaître, le foreman des bûcherons, des bûcheux. Ouais. Puis, eux autres, ils bûchent pas le temps de la chasse à l'orignal. Puis, il m'a dit qu'il y a eu bien des. J'ai vu bien des traces sur mes stands. J'ai des salines là. J'ai une saline là. Puis, ça regarde bien. Là, moi, ça, c'était un territoire, tu n'étais jamais allé là, là avant. Là. Y a pas non, il n'y avait pas de chemin. C'était pas accessible. C'était beau marcher dans le bois, là, mais tu peux pas venir avec l'orignal sur ton dos. Puis, c'est une coupe sélective. Ce n'est pas des coupes à blanc. Là. C'est juste idéal pour l'orignal, la repousse. Là. Okay. Ils ont vite trace d'eau dans le fond. Là. C'était comme gros de merde. Écoute, on était sur une bûche le midi, je mangeais mon lunch. Là. C'est fatigant là, pour c'est... les autres. Ah ouais, hein? Fait que c'est ça, on va se lever de bonne heure, prendre un... faire un lunch parce qu'on va le retourner. C'est ça, si on tire, on ne pourra pas repasser par le petit pont. Là. Fois que je vois le propriétaire de l'autre pourvoirie au sud de nous autres, là, ça va être comme 35-40 km monté là par chez eux. Parce que ça peut, ils peuvent être, ça peut peser jusqu'à 1000 livres. Là. 100 livres, 1000 livres, t'as de la viande combien de temps là-dedans? Une grosse année. Un an, hein? Ouais. C'est bien rare qu'on achète du bœuf ou de la viande au magasin. Mais demain matin, on va se lever de bonne heure, prendre un bon déjeuner. La ride, ça va prendre 45 minutes, une heure, là, se rendre en bicycle. Au Québec, depuis plusieurs années, pour chasser l'orignal, les chasseurs doivent faire partie d'une expédition, ce qui les oblige d'être au moins deux sur un même territoire de chasse. Le droit de chasser s'accompagne du devoir de partager les territoires. C'est pourquoi le savoir-vivre et le respect mutuel sont essentiels pour éviter les situations qui pourraient dégénérer en conflit. Il est donc important d'agir de façon sécuritaire et de manifester du respect pour les autres. T'as droit à quoi? Bon. Moi, je préférerais un veau, là. Garder le cheptel en santé. On a droit à une vache, nous autres, à pourvoirie. OK. Ben, moi, je veux pas tirer. Mais
c'est ça, au moins sur ton terrain, tu peux contrôler qu'est-ce que. C'est ça. Bout de site, il est rock and roll. Trajet de près d'une heure en forêt, Martin et Daniel arrivent finalement à destination. Il s'agit d'un territoire de chasse qui se situe juste à côté de la pourvoirie. Ils décident de se séparer, question de maximiser les chances de voir un orignal. Martin, de son côté, marchera quelques kilomètres plus loin, tandis que Daniel restera dans l'installation que Martin a préparée. L'attente de l'orignal. Voilà un moment exceptionnel pour vivre pleinement le moment présent. Quoi de mieux pour échapper aux nombreuses préoccupations et pour s'affranchir de la routine quotidienne qu'un contact aussi étroit et personnel avec la nature? Il n'y a pas de meilleur moyen pour faire contact avec soi-même. Par ailleurs, vous reconnaîtrez que la patience est la plus grande qualité nécessaire pour être un véritable chasseur. Lorsqu'on se lance aux trousses du roi de la forêt, il est préférable d'avoir dans son sac plus d'un tour. En effet, il faut parfois feindre l'inactivité ou encore l'éloignement, et même, si possible, se rendre invisible. En période de rute, les animaux sont encore plus agressifs, ce qui rend la traque encore plus risquée. Il est donc important de demeurer à bonne distance et de ne pas trop s'approcher. Après plus de 3 heures d'attente, Daniel décide d'aller voir s'il y a eu du mouvement sur les chemins près de sa cache. Et elle tente de déceler s'il y a de nouvelles traces. Ça, c'est encore sur le terrain de la pourvoirie? Oui. On arrive comme en arrière du lac Norman. OK. On est assez haut, hein? Hey, c'est super beau, regarde ça. On sait qu'il y a bien des traces. C'est le fin, pas mal la fin du route, là. Mais des fois, les petits bocs qui n'ont pas eu la chance de brider vont répondre au call. On va commencer avec un call de femelle. Pour inciter le boc à sortir, tu vas faire comme un boc. Ça, c'est une palette d'épaule de bœuf. Mais quand tu le frottes dans les branches, ça a le même son que des cornes d'orignal. Qu'est-ce que les bocs vont faire? C'est qu'ils vont prendre des petits buissons de main, puis ils vont tout les frotter. Puis ils vont faire un call qui est. Le boc, il ne call pas comme une vache. C'est tout le temps juste un. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Tu brosses ça. L'orignal laisse des indices de son passage.
Les frottages sur les arbres avec ses bois et les grattages sur le sol avec ses sabots sont très prisés par les chasseurs. Mais les pistes dans le sable sont des indices encore plus importants. Ça, c'est du chevreuil, ça, là. Orignal. Rond. Vous aussi, quoi? Trouvez-vous des fois des orignaux mangés par des loups? Ça glace, oui, ça arrive. On passe, il n'y a rien. On vient de pêcher à la glace ici. Le lendemain, ben, il y a une touffe de poêle plein de sang. Ah oui? Ça prend pas de temps. Après une courte pause pour dîner, Martin et Jean-François repartent de nouveau à la recherche de nouvelles pistes et d'autres signes de la présence des orignaux. C'est pas ça. Ben, pas ça, c'était là tout à l'heure, ça. J'ai passé, je m'en venais ici avec Fanny. Je tourne ici, il y a deux chevreuils là dans le chemin. Mais là, on peut tout tirer, la chasse pour voir. Je descends à la côte, aussi, il y a un gros orignal dedans. Ah oui! Ils ont fait la côte ici. Tabarnak! Tu l'as eu à 10. C'est le premier coup, tu l'as-tu touché? Oui, les deux coups. Mais il était là, il était face à moi, il fallait que je tire dans mon potrail. Puis là, tu as vu quand il s'est reviré de bord, il se cachait derrière des deux vaches. Pas de danger que tu laisses là 1% qui va le pogner? Non, pas possible ça. Il peut venir ici. Oh ben non, si tu veux, reste ici, s'il te plaît. Je peux? Ouais. Reste ici. Ok. On va aller chez nous. Martin a beaucoup de respect pour l'animal qu'il a abattu. Être un chasseur est un métier à part entière. Martin croit dur comme fer qu'il ne faut rien gaspiller et surtout, il tient à remercier l'animal qui donne sa vie pour que lui puisse nourrir sa famille. On est parti. Tu mets deux tags dessus, c'est ça? Ça prend deux permis au Québec pour tuer un orignal. Pour aller à la chasse à l'orignal dessus. Ouais. À ce point-là, c'est un gros juillet, puis la viande en masse pour deux personnes. Ouais, c'est ça. Hein? Ben là, t'as de la deux personnes, t'as de la viande pour l'hiver là-dessus. Ben là, on est deux personnes qui vivent dans le même bâtisse. Hein. Ah ouais, fait que ça se peut que le caméraman il était demain un rôti ou deux. Ah oui, je pense qu'il serait content là-dessus. Légalement, je pourrais le rester ici. Personne ne doit partir avec après qu'il tague. Ah oui, hein? Mais
Il doit en avoir, j'imagine, qui sont pas trop. Hein. Il y en a toutes les sortes. La saignée, l'éviscération et le refroidissement ont une grande influence sur la conservation de la viande. L'éviscération doit se faire immédiatement après la mort de l'animal. Elle permet aussi d'accélérer le refroidissement. Il est important d'éviter de perforer ou de déchirer les intestins afin de prévenir la contamination de la viande. Martin maîtrise cette technique et procède rapidement à cette étape cruciale. Plusieurs nutritionnistes s'entendent pour dire que les viandes de gibier sauvage sont d'une qualité exceptionnelle comparativement aux viandes d'élevage industriel. Les viandes de gibier sauvage sont la meilleure source en phosphore de toute la chaîne alimentaire et sont également très riches en fer. Meilleure en raison de son taux élevé en potassium et moins grasse, les viandes de gibier sauvage traduisent dans leur teneur en lipides l'activité physique de ces animaux qui sont très actifs. À titre d'exemple, le chevreuil est 25 fois moins gras que l'agneau et compte 3 fois moins de calories. Puis là, je cherchais pour moi, je voulais un veau. Je cherchais pour le veau, mais le veau était en arrière et il était pas mal gros. Fait que quand j'ai vu les j'étais plus sûr. Parce que tu veux pas tirer un veau puis que c'est pas un veau. Ah. C'est une vache. On a un tag de vache à pourvoirie, mais moi je veux pas m'en servir. C'est vrai. J'aime mieux garder les vaches. Regarde, elle te donne 2 orniales par année. Ah oui. Là, si t'as tué, tu tues elle, puis là c'est enceinte d'un autre 2. Tu tues 3 orniales. Puis là, si son petit qu'elle a cette année, peut-être qu'il passera pas l'hiver s'il n'y a pas que sa mère. Fait que t'en tues 4. OK. Donc j'aime autant prendre un boc ou un veau. Un veau, c'est encore plus sûr. Lui, il est pas enceinte, c'est sûr, puis peut-être qu'il passera pas l'hiver. Puis vu que moi, je suis seul avec Dan, ben c'est plus facile à trimballer qu'un plus gros de même. Là. Mais il était en arrière des autres, puis la manière qu'on le voyait dans la côte, il était plus loin, c'était dur à gager à grosseur. Ça aurait pas été un boc avec 2 femelles, c'est le temps du cowl, c'est le temps du rut. Après qu'il est à terre, là, c'est pas un problème. Martin et Daniel discutent de la meilleure façon pour ramener l'orignal le plus rapidement possible à la pourvoirie. L'orignal est beaucoup trop gros pour le transporter à travers la forêt. Il faudra utiliser le camion et la remorque qui sont à la pourvoirie. Tu dirais que tu t'en vas au bord, tu vas te signaler. T'en as-tu ici? Tu t'en as pas à cabane? J'en avais une fois. J'essaie de texter hier. La minute, je me suis fait texter. Tantôt! Tantôt! Martin et Jean-François y retournent en empruntant le même chemin parcouru plus tôt le matin. C'est la course contre la montre. Martin doit faire vite afin de pouvoir retrouver Daniel avant la tombée de la nuit. Daniel restera sur place afin de s'assurer que des prédateurs ne profitent pas de leur absence pour dévorer la bête qui a été abattue ou encore pour éviter que d'autres chasseurs soient tentés de prendre leur prise. Une fois de retour à la pourvoirie, Martin devra parcourir un trajet de plus de 40 km sur des chemins forestiers pour retourner rejoindre Daniel. Là, je vais avoir
Hein? C'était pas si pire que ça? Il faut attendre d'être sorti de la forêt pour dépouiller ou faire dépouiller votre gibier, car la peau protège la viande des contaminants. Idéalement, le transport et l'entreposage de la carcasse doivent se faire à des températures qui limitent la croissance des bactéries, soit entre 0 et 4 degrés Celsius. La viande de gibier sauvage, tout comme la viande d'élevage, est une denrée très périssable qui peut contenir des micro-organismes capables de provoquer une intoxication alimentaire. Il est donc important d'adopter de bonnes pratiques de manipulation et de conservation de la viande et respecter certaines normes régissant la préparation du gibier sauvage. Il est d'une importance capitale de refroidir la carcasse le plus rapidement possible. L'idéal est d'obtenir un refroidissement à 7 degrés Celsius dans les 24 premières heures. Le gibier doit être laissé suspendu hors de portée des prédateurs. Des branches solides peuvent servir de support pour maintenir la poitrine ouverte et ainsi favoriser le refroidissement. Après une journée de plus de 17 heures de travail, quoi de mieux qu'un bon repas chaud? Une bonne nuit de sommeil sera nécessaire pour reprendre le travail dès que le soleil sera levé. Ne manquez pas la suite dans le prochain épisode de Tissonagan.